Originaire d'Afrique centrale, le sésame comprend 36 espèces et se trouve à peu près dans 60 pays. C'est vraiment le sésame indien qui est la variété la plus utilisée. Le sésame est désormais disponible en naturel. Il est traité par extraction au CO2, ce qui permet d'avoir la senteur intacte, celle de la graine. Elle est très fidèle à la graine naturelle. Elle se marie particulièrement bien aux notes vanillées, ambrées, dites orientales, aux notes boisées. Sa senteur est très fidèle à la graine que l'on consomme. Elle est à la fois exotique, elle est à la fois épicée, mais elle a une facette gourmande et c'est ça qui est intéressant parce qu'elle est non sucrée. Elle fait penser aux noisettes un peu caramélisées. Elle a aussi des accents de pain chaud, de sirop d'érable, de cacahuètes, de noisettes. Vous le trouverez dans Osiris, dans ma collection Fleurs d'Oranger. Et ce sésame se marie particulièrement bien avec le cèdre, le miel et la fleur d'oranger. Et ça donne un trio absolument intrigant et tout à fait nouveau.